Je mets le micro avant, ça serait bien. Voilà, salut à tout le monde. Puis bienvenue, hein, on est parti pour une petite heure. Alors peut-être 1 heure et demie, on verra, on s'arrangera. Je pense qu'on va un petit peu. Un petit peu dépassé sur l'horaire aujourd'hui. Pour vraiment profiter un petit peu parce que. On n'a pas forcément une occasion super grande de jouer en ce moment et de streamer. Donc on va en profiter. Et Warframe qui s'est mis à jour, il y a eu un petit hotfix, a priori un petit peu pesant. Qui a restauré 2-3 trucs. Rien de trop dramatique. Rien de trop dramatique. Donc le jeu se lance déjà en fond. On va pas tarder à le voir. Si je veux bien arrêter de freeze, ça serait bien. Allez, reprends-toi, voilà. Ça a foulé d'un coup. Oh la vache! 36 milliards de paquets envoyés. C'est bon. T'as vive l'upload à 10 mégas, hein. Ça, je m'en serais pas sorti. Hop, capture warframe. Hop, apparaît. J'ai dit à Paris, voilà. Superbe récompense, superbe. Voilà, on arrive en slog. C'est la première fois qu'on slog aujourd'hui. Ok, 6 fils de rond. C'est pas tant ça l'important. Et puis je viens de changer d'ailleurs la position de mon second extracteur qui n'est plus ce Saturne. Je n'ai plus besoin de ce Jorokin. Par contre, côté Neurode, c'est en train d'être la dèche. Et ce qu'on a. Il m'a trouvé des nanospores, il m'a bien bouffé à la vie de l'extracteur en plus. Merci à toi. Rendez-vous pour 8 à 8 h. Oui, en plus, dans 8 h, il sera 8 h. Eh oui. Magnifique. Salut à toi, Votenda. Midi Warframe, c'est de retour. Oui, j'ai un petit peu de répit dans ma vie personnelle aujourd'hui, le midi. Peut-être pas tous les midis. C'est rare. Et voilà. Et si je sors la webcam, c'est que je suis tranquille à la maison. Et c'est bien. Bien. Est-ce que ça lag pas? Est-ce que. Blablabla. Voilà. Est-ce que ça va bien, Vatan? Est-ce que ça va bien? Est-ce que t'as la patate? Et est-ce que Ordis va la fermer un jour? Telle est la question. D'ailleurs, j'ai plus de format. Non, j'ai plus de format en construction, ça me coûte trop cher. Ça me coûte trop cher étant donné que là, je suis mal. Je suis mal. Je n'ai plus de crédit et ça me gonfle. Voilà. Je n'ai plus de crédit. Pourtant hier, j'ai fait les deux alertes. On va un petit peu augmenter la carte graphique, un petit peu sur les perfs. Comme ça, on va pouvoir encoder de la mort. C'est l'inverse, en ce moment, on peut plus trop jouer. Bah oui, moi non plus, moi je peux plus trop jouer. Moi, je suis en dèche de. Je suis en dèche de crédit, j'en ai 134 000 et encore j'en ai fait un sacré paquet l'autre jour. J'ai eu le temps à peine de faire quelques alertes, mais c'était vraiment les alertes du moment et c'est pas terrible, j'ai pas eu le temps de farmer. De farmer CMMI justement pour avoir plus de crédit. Et là je me retrouve un petit peu en dèche. Voilà. Même que mon Akibo Jagara est toujours 20, que mon Viritux, mon Prisma Viritux est toujours rang 0. Voilà donc. C'est la dèche. C'est la dèche totale. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a eu dans le hotfix? Apparemment ils ont remis les traînées visuelles sur Volt. Maintenant les rotations A et B. Ah non, j'ai rien dit. Alors les missions suivantes ont été mises à jour avec des packs de fusion de 5. Des 5 heures de fusion rares. Apparemment sur les survies avec des ennemis niveau 20 plus,
soit en rotation A, et sous les interceptions en rotation B. Un petit peu moins cool. Dès lors qu'il y a on était oh putain. Ah, ça veut dire que en fait les ah ouais, les interceptions ça va être vraiment très bon pour farmer à la fois l'XP et à la fois les cœurs de fusion. Et là, c'est les crédits qui vont vraiment vraiment plus tenir là. Donc voilà, et apparemment ils ont un petit peu mis à jour leurs effets de reverb, les options audio, certaines précisions. Le Prisma Veritux qui était pas échangeable. Survival, blablabla, blablabla. Ok, bon, mais il n'y a rien de spécial à lire. Hein. Je sais pas pourquoi je commence à lire. Donc voilà. Donc on se retrouve jusqu'à. On a commencé à midi et quart. On va voir de faire 13h30 ou un truc comme ça. Pas d'inquiétude. On va voir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme mission. On a de la défense, merci. De la capture, bien. Et de la rescue. Oh. Je crois que je me mets à haïr les nouvelles versions du syndicat parce que maintenant ils te foutent deux péons à côté de toi et c'est impossible de jouer fufu. On va choisir un arc et puis on va essayer de. Il n'y a pas moyen de leur dire de pas venir, les gars. Les gars, ne venez pas avec moi, c'est. Je ne veux pas de PNJ, je suis un mercenaire. Donc voilà, l'Akimbojaga qui est assez ignoble, assez à vomir. Même s'il y en a certains qui disent que c'est un petit peu la vie côté DPS. Le burst DPS est super, la précision l'est moins, donc moi j'aime pas trop DPS des murs. Faut dire comme c'est. Bon, sinon. Voilà, bon. Bah. Ouais. Non, mais le problème, c'est juste les missions syndicats en fait. Et ils t'envoient des NPC, des pauvres PNJ pour t'accompagner. Les deux sont armés et les deux. Bah, les deux. Honnêtement, ils se débrouillent pas si mal. Mais le problème, c'est qu'ils font du bruit. Et que là, j'ai peur. Mais de toute façon, on est obligé de, j'ai obligé de le faire. Hein, 6400. Ouh, j'ai oublié un truc. On va crafter. On va faire un petit peu de. Passer quelques minutes à crafter. Because j'ai fait ça en cas d'extrême. D'extrême nécessité, je prends des décodeurs des fois que j'ai pas le temps j'ai pas le temps de hacker. Y a pas de honte, pas de honte à le faire. Moi j'ai pas de honte, donc n'ayez pas honte de crafter ce genre de choses. Enfin, j'achèterai jamais le pack de 10. Je dis honnêtement, le pack de 10 décodeurs, trop cher, pas assez utile. Par contre, les crafter à l'unité, ça vaut le coup. Voilà. Puis au passage, je me suis pété une dent. Eh bien, on verra pas. Je me suis pété une dent ce matin. J'ai appelé le dentiste, il m'a fait. Est-ce que c'est douloureux? Je fais, ouais, c'est supportable quoi. Bon, bah ça peut attendre. Je fais, merde. J'aurais dû dire que je souffrais de la mort. En même temps, je souffre pas tant que ça, mais bon, c'est pas grave. Ça fait très mal. Plus, je peux pas m'empêcher de. Ah, bref. Bah, j'ai croqué dans. J'ai croqué et. J'ai croqué, ça a pété.
Aussi simple que ça. Allez, on va s'en faire 5, on a dans 2 minutes, on y go. J'ai oublié de recharger ma flotte, c'est bien. Bah oui, mais le dentiste il prend en région parisienne, il prend que en général une semaine après. J'aurais pu y aller ce jeudi-là, mais ce jeudi-là, je ne peux pas parce que je ne serai pas là le midi, je ne pourrai pas stream vu que je suis en extérieur. Oh, je ne peux pas. Il n'y a pas de soucis, j'ai jamais eu de soucis avec les dentistes, personnellement. Personnellement, ça, il n'y a pas de soucis. Donc ouais, sinon on a un petit peu discuté avec le reste du clan flibustier parce que je pense que tu t'en souviens, Vatenda, que j'avais quitté mon précédent live en disant YOLO, c'est reparti. YOLO, c'est reparti, on recommence à utiliser la chaîne flibustier. Et en fait, non. Enfin, oui et non. Oui et non, parce que j'ai décidé un petit peu de réorganiser pas mal d'outils. Voilà, j'étais plus ou moins forcé, à force des choses, de faire certains choix, dont celui d'abandonner le projet utopique que l'on puisse tout streamer avec un programme, tout ça, comme on faisait un petit peu à l'ancienne. Donc voilà, ça n'a pas forcément été la meilleure expérience qu'on puisse rêver, surtout lorsque ça se casse la gueule. Donc pour me prévenir de ce genre d'abandon, donc on change la façon de procéder. La chaîne Flib y sera toujours. Elle servira à streamer des choses, je vais pas dire importantes, mais qui sont relatifs au clan pur et dur. Warframe n'est pas inclus dans le clan, donc c'est en activité complémentaire qu'on ait plusieurs flibustiers à jouer à Warframe. Et donc, on va s'en faire un sixième parce qu'on a le temps, tellement que je parle. Donc du coup, oui, je sais que t'étais pas là. Apparemment, il y a eu quelques problèmes techniques avec notre cher Ikari, qui a eu quelques problèmes de latence. Faut dire qu'on a fait quelques tests et c'est vrai que la qualité graphique était délicate. Enfin, l'encodage, la carte graphique ne suit pas vraiment. Le processeur il est bon, mais voilà, c'est. Pour streamer, il faut avoir un couple pas trop moche entre la carte graphique et le processeur. Ouais, c'est un petit peu le processeur qui pâtit un petit peu, mais comme j'envoie tout à encoder sur la carte graphique, et que la carte graphique et ma carte graphique n'est pas si mal, au final, on n'y voit quasiment que du feu. Et puis aussi, il faut avoir un petit peu le débit. Je parle tellement que tu vois que je peux m'en faire un septième, tu vois, c'est. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas encore fait parce que je suis rentré il y a à peu près une demi-heure. J'ai pas eu le temps de tout faire. Compliqué tout ça. Bah justement, là je vais un petit peu synthétiser la chose. J'ai un petit peu synthétisé la chose. Grosso modo. Les chaînes Flib existent toujours, existera toujours, servira toujours pour Gun of Icarus uniquement. Voilà. Strict, strict, strict Gun of Icarus. Ouais, grave, pipelette. En même temps, tu resterais pas si je blaguerais pas quand même. Les gens qui doivent voir leur rediff, mais ils disent mais putain, mais c'est qui parle avec qui, tout ça, machin, chose. Et tu vois, là, il me reste encore 12 secondes au craft et là, je suis sûr que je suis prêt pour le relancer. Oh putain. Bon. Je relance et on fait ça en 1 minute le temps du craft. Chrono. Tailleur à 10. Craft. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, la chaîne Flib existera toujours pour du Gun of Icarus. On fera que du Gun of Icarus, hein, peu importe si les gens aiment tout ça. Ils sont pas à pourvenir. De toute façon, le titre du live,
Soit remarquer Gun of Chaos, tout ça, on risque de faire de streamer de la compète, on est en train de peut-être penser à un tournoi, donc ça va voir dans les semaines qui arrivent. Donc on ira commenter un petit peu les parties, bon, d'un côté en qualité 720, ça passera mieux qu'avant. En parallèle, il y aura le WordPress du Fibustier, je sais pas si tu y allais une fois ou deux, bref. C'est à partir de là en fait qu'on va faire quelque chose d'un petit peu plus communautaire. Et c'est là que on va un petit peu relayer les streams de Doc, parce que Doc stream, les streams de Ikari ici, elle décide de streamer mon stream parce que je vais continuer un petit peu de temps à autre. Et là ça sera programme libre. C'est-à-dire qu'il y aura une page avec tous les streams. Et voilà, j'ai pas eu le. Si j'ai eu le temps. On va dire que j'ai eu le temps. Genre lancer un 9e, hein, histoire de dire voilà. Donc voilà, il y aura une page sur, j'ai pas eu le temps de le faire, sur le WordPress. Il y aura un lien sur, enfin, je dirais aux gens de faire un petit peu un lien vers la page où il y aura tous les streams en question. Et puis je leur dirai de faire un petit peu un programme, un petit peu. Moi aussi, il faut que j'arrange un petit peu ma chaîne, tout ça, tout ça. Donc ça sera la liberté de chaque flibustier, de chaque membre du clan de streamer ce qu'il a envie. Donc moi je pourrais continuer à streamer ce que je veux à des horaires que je veux, parce que c'était aussi ça le détail qui était un petit peu qui pouvait être un petit peu coincé. On est obligé de segmenter, de dire bon bah de 21 à 22 je vais streamer ça, ah mais moi aussi je veux streamer ça, donc tu vois petit conflit. Donc là du coup les gens choisissent là où ils veulent, donc on va donner un petit peu plus d'importance au WordPress. Je vais donner plus d'importance au WordPress et après à la chaîne Flib. Bon, ouais. Donc ça sera beaucoup plus simple à gérer. En tout cas, c'est chacun qui gérera son programme. Moi, je me détache un petit peu du reste. J'ai plus rien à dire. C'est tout. Là, on va pouvoir décoder le monde entier avec tout ça. Decode the world. C'est bon. On va aller se faire mal un petit peu. La fatigue. Bon. Bon, après, sinon, sur mon créneau de stream. C'est un bon programme, bah oui. Ça laisse l'opportunité à chacun de faire un petit peu ce qu'il veut, voilà, de leur faire de la pub sans que ça soit forcément sur une seule chaîne, etc. Ah, je suis pas accompagné. Par contre, pourquoi il fait si. Pré-shot! Non, il y a personne. Personne, bon, c'est pas grave. Et pourtant il était derrière. Bon. Boum. Je déteste. D'accord. Contenu enfoui. Oups. Ouais, faut passer par là. D'accord. C'est le royaume de la caisse enterrée. D'accord. Bon. 27 secondes de fufu, c'est pas génial. Dû prendre des cunailles, à vrai dire, j'ai pas pex. Je sais pertinemment que je ne peux pas pex. Oh putain, c'est les corps qui sont cramés. Oh là là. Oh le truc qui pollue. Il pollue mon HUD avec des indications de loot absolument fausses. Ah là, là, il y a un corps, c'est bien. Hop.
8 insignes à trouver. Surprise! Pardon. Allez, 2 sur 8. Paris Prime, for the win. Donc voilà. Sinon, hier soir, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui streamait un speedrun sur Borderlands 2. Speedrun sur Borderlands 2. Alors après, je sais pas si tu connais bien, mais j'ai trouvé ça. D'accord, lui, il y a un truc qui pète à côté, nos problèmes. Hein. On s'affole pas, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, quoi? Il y a rien, quoi. Ah. Encore des corps. Ah putain, il est derrière. Bon, moi je trouve ça intéressant, moi quand même. C'est rigolo de voir des gens. Essayer d'aller le plus vite possible et après qu'ils se viandent bêtement. J'ai trouvé ça un petit peu abusif, j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris à chaque fois pourquoi ils allaient aussi vite. Comment ils arrivaient à faire des dégâts assez hallucinants avec des armes toutes pourries. Alors soit c'est un exploit, ça force un petit peu le respect parce que t'es obligé de jouer bien, rapide. Bon, c'est sûr que tu profites pas de l'histoire dans lui. Bon, après, le petit détail qui tue, c'est que ouais. Le gars, tu le vois reset sa partie. Tu dis bon, ok, il revient encore plus loin. Ah ouais, mais ça fait gagner. Ça fait gagner quelques centièmes. Oups. La fufu va bientôt se terminer. Boule. Alors, médaillon, non, pas de médaillon. Merci de nous polluer. Ça nous fait toujours très plaisir. Alors, la suite. Oui. Encore. Allez, donne-moi une grosse et non, il n'y en a pas. Papa. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Chose qui vient de prendre 15 000 dans la face. Ok. No problème. Tu t'attendras à Lotus 1. J'ai trop loin. Target obstructed. Zen.
Ok. Viens de pousser ma cam, je crois que voilà. Ok. 20 secondes de fufu. Le temps de mettre quelques flèches dans des petites poires. Oh. Oh. On va attendre que la fufu se termine. Et je vois qu'il y a pas mal de casiers où ça doit être encore des corps à la con. Juste histoire de nous spammer le radar et que ça me gonfle. Non, on ne grimpe pas dessus. Ouf, difficulté du hack. Moyenne. Il doit y avoir quelqu'un dedans. Ou... Oui, c'est quelqu'un. Voilà. Je ne sais pas, je crois qu'il va y avoir un... Bon, ah! Les préférés! Oups! Ah, il est là, l'autre. Avant, je vais peut-être dégommer tous les gardes, s'il y en a déjà. Plus, logiquement oui, sinon. Oui, je sais. Hop, full combo, allez. Il est pas là, ça fait rien. Full fufu. Ce moment où t'enlèves. Voilà. Non, non, non. Tu ne me spotteras pas. Voilà, je te donne une arme super OP de la mort. Oh la vaste blague quoi. Ok, bon. Il était là. Ah d'accord. Oh putain, d'accord. Un petit peu fait décalquer. Paix à son âme. Galère. Ok. Non, on s'en va. J'ai regardé les armes, c'est bon. Par contre, c'est quoi le délire? Voilà, encore un corps. Pourquoi il clignote en rouge, hein? C'est bien rigolo, mais... Hein. Bref. Ouais, je sais... Bon, en tout cas, il nous reste quelques médaillons à faire, et... C'est pas que ça m'enchante, mais... J'aime pas avoir l'otage derrière. Oh, me gonfle.
Voilà, magnifique. Voilà, tu t'es fait allumer, c'est bien. Là là. T'es boulé, quoi. Et bonne journée à toi, Vat. Et puis à très bientôt, j'espère. Ciao, ciao. D'accord, il se fait décalquer par quoi? Mystère. Ah, peut-être par le truc qui est là-haut. Hop. Alors, d'ailleurs. Voilà. Qui est juste le quatrième. Toujours une petite moitié. Qu'est-ce qu'il nous fait? Pourquoi tu me vises? Pourquoi tu me vises? Oups. Pas te faire crever quand même. Merde. Ah, le fail de l'année, une seconde. Zéro. On passe en fût. Peut-être reset. L'alarme, on reste zen, on évite. Putain! Ok, on reste zen, zen, zen et zen et zen et. Petit reset de l'alarme. On va continuer là. Hein. Merci d'être passé. Merci d'avancer. Ça serait très intéressant. Allez à l'otage. Allez à l'otage. Bouge-toi les fesses. Merci. C'est bon. C'est bon l'otage, c'est bon. Non, c'est pas bon. Il va me casser les noisettes encore. Moi, c'est sérieux de qui bouge les gars, c'est ou pas. Hein. Alors, hop. C'est pas une joie immense quoi, je préfère faire encore des captures ou au moins. D'accord. Hop là, le cinquième il est là. Il nous reste. S'énerve. Alors. Voilà, merci d'être passé. Alors. Dernier tour, mais je pense que c'est assez mort pour ce qui est. Décor.
putain, c'est bien, j'en ai raté 3. Quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas la mission qui m'enchante le plus. Donc, on va le terminer. Et logiquement, on est en max avec Méridien d'acier. Ok, on va faire ta capture. Faire ta capture. J'ai un petit peu la dalle. Faut que je fasse ça. Le code prévu aujourd'hui. Ouais. Ok, bon. Aïe 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 aïe. Il pleut dans l'espace. Magnifique. Ah, par contre là il fait beau. Hein. Déjà pris une tatane. Oh, l'esquive. Pro level en esquive. Et pro level en... Bon, pas esquivage aussi. Et d'ailleurs, dis-moi qu'il y en a 8. Il y en a 8, c'est très bien. C'est parti pour 8 médaillons. Et en général, sur ce genre de map... Qu'est-ce qui nous emmerde? Bon, il va falloir se trouver un chemin. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Quelque chose ou c'était... Ah, oh, juste un conteneur moisi. Pas de chouchi. Par contre là il y a un bombardier et ça me pose souci. My god. Laisse-moi récupérer le médaille qui est là. Et me casser. Heureusement qu'il y en a un qui a une bonne arme dans l'eau. Donc, merde, il n'y a pas celui qui cause ce problème, il doit être derrière. Il était derrière. Je n'ai pas assez d'énergie. C'est la teuf. Putain. Ouais. Casse. Ouh.
Ouais. Ils sont pas invincibles, ils sont juste casse-couilles. Oh putain, le truc qui sert à rien aussi, quoi. Spécial. Rien de spécial par ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Fait que je me retrouve. Putain. Ah. Allô, c'est qui les... Ah, il est là. Poule. Stop de me tirer dessus, je suis invisible. Wow, 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 putain! Il joue avec sa vie, lui, hein! Aïe. Oui, 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 bla bla bla. Vu comment on les capture, on mieux leur envoyer une flèche dans les dents, quoi, des fois. Bon. Non, c'est dessous. C'est dessous, c'est ici. Et c'est en fufu. Petit médaillon, ça faisait longtemps, c'est le troisième. Et c'est parti. On va progresser, hein. Bonjour. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Putain, la vache, il se fait juste dégommer par l'autre, quoi. Bon. Vas-y, nage. Nage dans le truc qui en fait c'est pas si toxique que ça. Paris Prime 0 à Kim Bougega. C'est un petit peu du suicide. Bon,
On va juste chercher. Voilà, le médaillon qui est là. Et. Aïe. Le crédit d'affinité, ouais, c'est bien. En général, c'est dans ces coffres les plus obvious qu'il y a forcément rien. Enfin, dans les petites marques. Ok. Hop. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Breach complete. We're free to proceed. Et puis on va reset l'alarme pour la peine. Parce qu'apparemment, les alarmes, ça les rend tout chose. Voilà. Là, on peut dépop les gens. Merci d'être. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Boum. C'est le saut fail. Boum. Alors 8 secondes de stealth encore. Ouais. Oula, 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 oula. Oula, petit, 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 petit. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je te contourne, je te saute dessus. Et je te stealth. Bon. 6 sur 8, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait un petit peu. C'est pas mal. Surtout que la dernière ne m'apportera forcément rien. 6 insignes normales. Et merde, j'aurais dû. Donc voilà, le dernier c'est un truc défense sur du grenier. Donc voilà, alors pour de la défense grenier, pour la défense grenier. Je vais sortir un oberon qui coupe. Alors, comment on fait ça? Comment on fait ça? Alors déjà, on va mettre la charge d'acier. Alors, il nous faut de la portée, effectivement. D'accord. Il y en a deux qui sont en V. Il nous faut de l'efficiency. On peut pas donner des PV plutôt que. Je préfère avoir 925 PV que. Flow. Flow, flow, flow. Parce que là j'ai combien en. On est 150. On va mettre un intensifier.
Peut-être quelque chose qui soit un petit peu plus dans la violence. 45%, c'est pas mal. Quoique orage, on s'en tamponne un petit peu, on va dire. On peut limite mettre cette fois-ci vraiment un intensifié à la place. Voilà, il nous faut de la portée, de l'économie, de la casting speed. Ouais, pourquoi pas. Et c'est parti pour. On va spammer, mais l'ulti, je crois qu'il n'y a pas de base, hein, une portée super terrible, donc ça fera peut-être pas une portée démentielle. Donc on aura à peu près 40 mètres de portée. 40 mètres de portée. Mais de portée, mais ça promet. On fait ça pour le fun. D'ailleurs, je vais peut-être crafter en avance des petits consommables pour l'énergie parce que ça va en drainer un petit peu. Vas-y, j'ai un petit peu trop vite. Je ne suis pas. C'est qui suis pas au choix, c'est pas important. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une Nova, Frost Prime. Ouais, bon c'est bon. Not so bad. Alors. Allez, on va se recharger un petit peu. Voilà. Par contre, le frost il est un petit peu inutile dans l'histoire. Ça c'est rigolo. Ah bon, c'est pas forcément le top top. Par contre, le Nova. Dante Devi, machin chose. Ok, il a pas encore pop. Ok, explique le pourquoi qui n'est pas là. Allez, on va faire une petite surprise. Surprise! Boum! D'énergie, pourquoi pas? Allez, on va choper la petite boule d'énergie. Voilà, c'est bien. Essayez d'être passé. Essayez d'être passé. Déjà que les derniers fusils à pompe c'était pas forcément la joie dans la précision, alors là, sous radiation ça doit être pire encore.
passer à travers. D'accord, pas très voir site. C'est pas grave. Voilà, donc voilà, donc voilà, donc voilà. Mais donc, c'est un peu galère avec le Mister. Voilà. Donc pour tous ceux qui viennent de YouTube, n'hésitez pas. Logiquement, dans tous les exports, il y a le lien vers la chaîne Twitch. Et je pense qu'aujourd'hui, on va faire quelques lives. Bolt. Avant il était super rare à tomber, maintenant de toute façon qu'il tombe. Bref. Pas forcément le mode le plus OP de la mort, mais bon. On charge. Aïe 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 aïe. Énergie, énergie, énergie. Ouais, il y a un petit... C'est bon. Heureusement qu'ils tiennent compte un petit peu. Ils tiennent compte qu'on soit que deux pour donner un max de vie au pod. Hop. Ah, par contre là j'ai fait un petit peu de la bêtise. Faire un petit peu de life. Tu passeras pas. Ça sentir à la limite, donc on est obligé de spammer. Ah, là on sait qu'on aura pas mal d'énergie en rab des fois que, mais on va peut-être pas hésiter à claquer à... rester ici. Bon, ça c'est assez dangereux. Claque 2. Claque. Ils font one shot la plupart du temps. Boum. Allez, dernier round. Parce que ça commence à être chaud. Allez. Hop. Ah.
le laisser buter le dernier. Pas forcément le plus de dégâts, malgré que j'ai spammé vraiment à tout va. C'est le cas de le dire. Donc, hop, il y a squad. Et pour le reste, ça va, on bouge pas. Et il est 13h15. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je démarre vraiment autre chose? Non, on a dit qu'on était parti sur 1h. Et ça fait 1h06. Et c'est vrai qu'on a fait le tour. Ça fait à peu près 1h qu'on est en live. Donc voilà. Donc. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu forcément beaucoup de monde sur ce live aujourd'hui. Donc, programme des jours à venir, j'en sais rien. je sais même pas si aujourd'hui je vais faire vraiment beaucoup de live. Je vais faire une petite heure, un petit créneau de 1h. Peut-être pas dans la soirée. Donc voilà. Alors, j'en étais à 130 000, on est retrouvé à 130 000, c'est-à-dire qu'on a vraiment gagné une déchéance de crédit. Qu'est-ce que je pense? Bah, je pense qu'on devrait arrêter. Donc, ben je sais pas, peut-être plus en live avec ou sans webcam, peu importe, j'aimerais bien que ça aurait été avec webcam un petit peu chaque jour qui passe. Donc, ceux qui viennent de YouTube, ceux qui viennent de Twitch, bon, je vais parler en général, hein. Peu importe d'où vous venez, sur la chaîne, donc sur Twitch, vous allez avoir en bas, je vais mettre un petit peu tout à jour. Si vous voulez avoir des actus sur les autres chaînes flibustier, donc les personnes qui sont gentils, qui sont flibustiers, qui sont chez nous. Il faudra aller sur le blog, je vais le mettre à jour aujourd'hui. Et donc vous pourrez voir chaque chaîne de chacun de nos membres avec leur programme qui leur est propre, avec les jeux qui leur sont propres. Donc n'hésitez pas. Je sais pas si je ferai un écho de leur programme, peut-être un écho des jeux qu'ils possèdent et qui comptent streamer, ça sera peut-être possible. Mais en tout cas il y aura de quoi un petit peu jongler avec les différentes chaînes, donc n'hésitez pas à leur faire un petit coucou, ça leur fera plaisir. Et quoi qu'il en soit, on essaie de faire les choses au mieux possible et ça fait toujours plaisir à faire en tout cas. Donc ben, je vous donne peut-être rendez-vous tout à l'heure, c'est incertain. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, si vous faites partie de mes abonnés YouTube, je vous invite fortement à rejoindre le Twitch. Si vous voulez participer directement en live ou si c'est vraiment pas dans vos créneaux horaires, il n'y a pas de souci. Toutes les rediffusions sont sur YouTube. Il faut juste que je prenne un petit peu de temps aussi à tout reclasser. Tellement de choses à faire en ce moment que c'en est presque délicat. Je vous dis à très bientôt. Ciao les gens.